Un jour, s'il y avait une nouvelle attraction majeure qui était conçue dans la zone gauloise, il faudrait faire quelque chose autour de Toutatis. Ce serait quand même le dieu gaulois qui est présent dans toutes les BD, alors présent pas visuellement, mais du moins dans les exclamations, dans les textes. Et donc je me suis dit, oh, ça pourrait être en tout cas un bon support, un bon début de réflexion. Et c'est comme ça que l'idée du festival est venue, qui permettait de célébrer finalement cette figure, mais aussi de montrer vraiment l'esprit gaulois, parce que Toutatis, c'est ça, c'est l'esprit gaulois, l'esprit de tribu. Et voilà, on a imaginé en tout cas un environnement où toutes les tribus gauloises se réunissaient pour faire cette grande fête, en fait, fêter Toutatis. Et on a également l'aire de jeu du Sanglier d'Or, voilà, avec plein d'animations pour les plus jeunes, qui vont apprendre un petit peu à maîtriser leur courage, à dominer un petit peu leur peur. Mais en tout cas, ça permet d'avoir une première approche de la zone et de l'univers de Toutatis. Donc on a une très grande statue de Toutatis en plein milieu de la place, devant le tumulus. Alors, en fait, cette statue, pour la petite histoire, c'est un menhir qui a été gravé, donc avec le visage de Toutatis. Et pour le festival, bah, les Gaulois l'ont customisé, donc ils ont rajouté la cape, ils ont rajouté les bras, ils ont rajouté le bouclier, voilà, donc c'est une espèce de construction un peu improvisée, mais qui reste malgré tout très esthétique. C'est vrai qu'il ressemble à un gros menhir habillé, mais c'est vraiment la vraie représentation de Toutatis, du moins des Gaulois, la façon dont il est interprété dans le festival. Alors en fait, vous verrez dans la zone, il y a plein d'affiches qui annoncent des espèces de concours entre Gaulois. Voilà, par exemple, il y a le concours Le Combat des Chefs, mais version cuisine, où c'est à celui qui fera la meilleure tourtatis. Mais voilà, il y a beaucoup de petites scénettes, voilà, qui annoncent des choses qui sont pas spécialement vues des visiteurs, mais en tout cas, ça laisse imaginer que dans ce festival, il se passe plein de choses. Et puis également, bah, beaucoup de jeux de mots dans les fresques. Il faut prendre du temps, voilà, à l'intérieur du tumulus pour décortiquer un petit peu tous les messages cachés. Les visiteurs, en tout cas les plus curieux, seront récompensés. Alors le grand rituel, en fait, qui prend place dans le tumulus de Toutatis. C'est l'élément majeur, finalement, de cette zone. La complexité, c'est plutôt la taille, la volume qu'on avait à créer et faire en sorte que le bâtiment, qui a un côté technique qui est dessous, qui est bien adapté à la forme qu'on voulait atteindre à la fin. Donc là, il y a un gros travail. Et en fait, ce tumulus, c'est un peu comme un condensateur des pouvoirs de Toutatis. Donc c'est vraiment un lieu sacré pour les Gaulois. Ils se rappellent la méthode pour devenir irréductible. Et c'est un peu le scénario de l'attraction. C'est-à-dire que les visiteurs gaulois vont arriver, découvrir cette file d'attente autour du tumulus, où ils vont apprendre les préceptes qui sont gravés sur des menhirs. Et ensuite, et bah, après la théorie, bah, y a la pratique. Donc on va prendre place à l'intérieur de ces chariots, qui vont se gorger justement de l'énergie du tumulus, pour être ensuite lancé sur une piste qui reproduit les préceptes. C'est-à-dire que chaque figure, chaque élément de la piste est une illustration d'un des préceptes de Toutatis. Donc l'effet lumière qu'on a voulu intégrer, c'est la force de Toutatis, un éclair de Toutatis qui est parti dans les creux des volumes des rochers du tumulus. Le tumulus est gorgé du pouvoir de Toutatis, en fait. Le train de l'attraction, en fait, est en lien direct avec la storyline de l'attraction. Donc, c'est vraiment un chariot rituel qui a été conçu par les druides du tumulus. Donc, il a un aspect très effilé, très aérodynamique, parce que ça, c'est quelque chose qu'on ne doit pas oublier également, hein, c'est que le train doit aller très vite, ne pas être freiné, en tout cas, dans son élan. Mais au point de vue de son design, il reprend beaucoup d'éléments esthétiques de la zone, c'est-à-dire qu'on travaille beaucoup sur le bois tressé, qu'on peut retrouver également sur la statue. Et on a un joli bouclier donc de Toutatis qui est à l'avant tout en or. Donc c'est vraiment, voilà, l'idée c'était vraiment un chariot rituel qui est prêt à s'élancer sur la piste et emmener les visiteurs pour vivre les préceptes. Pour le festival Toutatis, j'ai composé 1h45 de musique au total. Donc ça représente une heure de musique vraiment celtique pour la zone festival Toutatis et 45 minutes plus épique, plus druidique, plus orchestrale pour tout ce qui va concerner la file d'attente et la gare de l'attraction. Pendant 4 mois, j'ai composé vraiment cette heure 45 de musique, et beaucoup de travail, et ensuite je suis passé à l'enregistrement à partir de novembre dernier, et ça représente 75 musiciens. Donc 5 musiciens celtiques répartis entre la Bretagne, l'Angleterre, l'Écosse, et 70 musiciens avec l'orchestre de Budapest. À partir de là, j'ai pu mixer tout ça ensemble et rajouter tout ce qui va contribuer à l'immersion dans la zone, c'est-à-dire des applaudissements, une ambiance de forêt,
qui est très subtile, mais qui est quand même importante, une ambiance de village, de réaction, de spectateurs, pour vraiment recréer un concert de musique celtique pour la zone du Festival Toutatis. Je suis très impatient, avec 2 années de travail sur le projet, de voir les retours des visiteurs sur la totalité. Parce que c'est le wow qu'on veut avoir. Et dès qu'on a cette wow, moi, je serais content de mon travail. J'en rêve depuis des semaines, depuis des mois, depuis des années de monter dans ce train. Donc j'ai eu la chance de voir déjà les premiers essais. Et oui, je suis très, très impatient.